Donc pour l'amour de l'art est né de l'envie première de raconter une histoire. Mais j'avais envie de raconter une histoire de manière un peu originale, ou en tout cas, enfin, trouver un truc original, quoi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas écrire un thriller théâtral? Alors évidemment, un thriller théâtral, c'est pas évident, puisque c'est un genre qu'on retrouve beaucoup dans les romans, au cinéma, mais c'est pas évident à adapter au théâtre. Je suis parti pour ça de deux faits réels. Le premier des faits, c'est le vol d'un tableau du Caravage, La Nativité avec Saint François et Saint Laurent, qui a été peint en 1609 et qui a été volé en 1969 à Palerme et qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été retrouvé. Estimation actuelle, 20 millions de dollars. Le second, c'est en 2011, un citoyen polonais, amoureux du modèle d'un tableau qui n'a jamais réussi à retrouver le modèle en question et qui a demandé officiellement à l'État de pouvoir épouser la toile. Il faut savoir que le tableau en question date de 1953. Donc le modèle en 2011 était probablement mort. Tout commence dans une sorte de maison de repos, maison de convalescence, où on retrouve un homme qui raconte un rêve qu'il a fait à une soignante qui se trouve là. C'est fou. Je ne vous connais pas, mais j'ai rêvé de vous. Je viens de rêver de vous. Je peux vous raconter ? Oui. Pourquoi pas ? Et rapidement, on entre dans son rêve. Sa voix deviendra ensuite une voix off qui continuera de nous guider durant tout le spectacle. Cette nuit-là, ces hommes ont pénétré dans l'oratoire de San Lorenzo afin d'y dérober ce qu'ils ont fait après l'avoir découpé la Nativité avec Saint François et Saint Laurent, peinte par le Caravage en 1609. Vous en savez des choses. N'est-ce pas, Julia? Allons, ne faites pas l'idiote. Où est-il? Nous avons donc affaire à deux trafiquants d'art, Julien et Julia, qui recherchent le fameux tableau du Caravage. Alors que fait-on? J'ai une proposition à vous faire. Je m'installe chez vous pendant un mois pour m'assurer que vous ne mentez pas. C'est une blague. Vous croyez que je vais accepter qu'un homme que je ne connais pas, armé de surcroît, vienne vivre chez moi pendant un mois? Oui, je le crois, c'est dans votre intérêt. Je sens qu'un refus vous ferait trop plaisir. Ce n'est pas là la question. Alors? Je vais réfléchir. Mais admettons que j'accepte. C'est un bon... Taisez-vous! Chacun campe donc sur sa position et Julien va s'installer chez Julia pendant un mois. D'une histoire de trafic d'art, nous allons donc passer à une histoire d'amour. Tu m'aimes? Je sais pas. Je te connais à peine. Disons que je suis bien avec toi et j'ai pas envie de penser à autre chose. Moi, je t'aime. Allez, toi aussi, dis-le-moi. Non. Allez. Mais non, pourquoi tu me demandes ça à chaque fois? Parce que j'ai envie. Parce que j'ai besoin. Parce que tu as besoin? Oui, parce que j'ai besoin. Allez, dis-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Arrête. Dis-le-moi, dis-le-moi. Arrête, tu me fais mal. Pardon. Une histoire d'amour, donc. Mais un peu obsessionnelle et à sens unique. Tous ces mois pendant lesquels je t'ai suivi, ce n'est pas le Caravage que je cherchais. Tu avais raison. Le tableau, je l'ai. C'est moi qui te l'ai volé il y a 6 mois. Ce que je cherchais, c'est toi, Julien. Je t'aime, tu m'entends? Je t'aime et je veux vivre avec toi. Lâche-moi. Je t'entends, tu me l'as déjà dit. Mais tu te rends compte de ce qui vient de se passer? Et moi, je ne t'aime pas! Mais ce n'est pas grave, Julia. Moi, je t'aime pour deux. Mais si c'est grave, tu m'entends, mais tu m'entends pas, mais tu ne m'écoutes pas. Alors, suite à quelques comportements inquiétants, dangereux,
Julia se sépare de Julien. Et peu de temps après, elle tombe dans les bras d'un autre homme, David. Entre eux, tout se passe pour le mieux, et une année s'écoule jusqu'au jour où... Elle vous a donc parlé de moi. C'est normal, elle m'a dans la peau. Je pense qu'il serait préférable que vous partiez et que vous ne reveniez jamais. Elle est là? Partez. Ça ne doit pas être facile pour vous de vivre avec quelqu'un qui ne vous aime pas, non? Partez. Dommage. Nous aurions pu discuter. Je vous aurais parlé d'elle et de tout ce que vous ne saurez jamais. Tenez, par exemple, lorsqu'elle fait l'amour... Ah, mais tu commences à m'emmerder, moi ! Ça va ? Pas besoin de s'énerver ? Je crois qu'elle a peur de me voir. Je m'en vais, Julia. À bientôt. Je lui donnerai ça. C'est un portrait d'elle que j'ai réalisé. Ce sera un peu mon cadeau de mariage. Ravi de vous avoir rencontré. En fait, un an plus tôt, après s'être fait virer par Julia, Julien ne lâche pas l'affaire pour autant. Et il met sur pied un plan. Allez, je suis très excité. Tiens, enfile ça. Je vais tout expliquer. Je vais faire ton portrait comme convenu, et après j'aimerais que tu exerces tes talents d'actrice. Tu veux que je joue pendant que tu peins ? Non, non, pendant que je peins, tu ne bouges pas. Surtout pas. D'accord. La comédie, ce sera pour après. Tu verras. Je te réserve un très beau rôle. C'est quoi, c'est un film ? Non, ce n'est pas un film. C'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie? Oui, maintenant tu te tais. Tu ne poseras aucune question. Tu feras ce que je te dirai de faire et tu ne poseras aucune question. C'est la condition. Et tu seras très très bien payé. Très bien combien? Qu'est-ce que je t'ai dit? Il me semble que je t'ai dit de te taire, non? Tu me fais un peu peur. C'est vrai? C'est bien ça. Drôle de pouvoir que la peur, tu ne trouves pas? Bouh! Ne t'inquiète pas. Je suis un gentil. Alors, tu acceptes ou tu n'acceptes pas? J'accepte. Eh bien, tu as fait le bon choix. Voilà. Bon, je vous en ai déjà trop dit. Donc, je vais vous laisser encore regarder quelques moments du spectacle. Et surtout, j'espère vous avoir donné envie de voir la suite et de connaître la fin. Petite précision, toute la musique que vous avez entendue durant ces images fait partie de la bande-son du spectacle. À bientôt. Qui est à l'appareil? Julien, c'est toi? Si c'est toi, c'est vraiment stupide. Julien! Qui est à l'appareil? Julien, c'est toi? Si c'est toi, c'est vraiment stupide. Julien! Je te vois, Julien.
Ne jette pas ce tableau. Mais au fait, es-tu bien Julia? Je n'en suis pas si sûr. Julia? Ou pas Julia? Regarde ça. Et je t'assure que c'était ta voix. Tu sais, ce n'est pas très compliqué de modifier une voix. Alors, je suis sûre que c'est Julien, il est venu ici. Mademoiselle, je pense que vous avez subi un choc. Je suis Julien Matozzi. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais mon compagnon s'appelle également Julien. Maintenant, je vais aller téléphoner. Pour qu'on s'occupe de vous. Alors voilà, Julia Matozzi est morte. Vive Julia Matozzi! Mais je pensais que... Tais-toi. Non mais attends. Tais-toi. Nous y sommes, Julia. Notre histoire s'achève. Nous sommes au point final et c'est moi qui vais le mettre. Ça ne pèsera pas bien lourd face au papier d'identité. Tu et moi. Et bientôt, je serai toi. Je suis désolée, Maria. Je n'aime pas faire ça, mais je n'ai pas compris.